Voyez, attention à la station fréquence pour Dendy 33 qui lance appel en mobile depuis Mérignac. Oh, j'entends une voix que je connais, j'entends une voix qui me dit quelque chose. Les 88 de la part de Dendy 33. Ouais, ça va, mais j'arrive pas, je reconnais la voix, c'est sûr, mais là, j'arrive pas à remettre, un nom dessus. Je reconnais ma voix ? Ou alors, je me trompe. Non, je me trompe peut-être. Bon, je commence à croire que je me trompe de personne. Ben, j'ai un petit peu de mal, là, en plus de ça, ce Mérignac, là, j'ai des QRM. Ah, je me trompais de personne. Ah, complètement. Vous avez la même voix qu'une autre YL que je connais. Mais désolé, mes excuses, je me suis complètement trompé de personne. Ok, d'accord, mais elle a la même voix qu'une YL, dont ben justement le QRZ ne me revient pas. J'ai oublié. Oh, je sais plus, puis en plus de ça, il y a... Attends, qu'est-ce que je fais? Non, c'est bon. En plus de ça, il y a un peu, il y a la propac derrière et tout ça. Donc, j'ai pensé à quelqu'un de beaucoup plus loin qui a la même voix. Et je pensais que là, il y avait un coup de propag, justement, qui permettait de l'avoir en fréquence. Cambio, cambio, 73-51 de la part de Dendy 33, 14 kilomètres, 33-01. Opérateur Rémi en mobile sur le sud-ouest France, Bordeaux. Ok Rémi, 73-51, ok. François, Sud Italia, ok. La modulazione è troppo variabile in frequenza. Presente mon ami. Ok, Sud Italia, les bonnes amitiés à vous, mon ami. Ça passe très très bien de mon côté, ça passe très très fort ici sur le sud-ouest France. Ok, mon ami, la fréquence est molto disturbata, ok. François, Sud Italia, ti saluta, ok. Mon ami. Ok mon ami, salut, il y a d'autres personnes ici sur le sud-ouest qui sont avec moi, donc je vais leur passer le micro. Gilles, vas-y pour l'Italie. Ok, ok mon ami, ok, salut, ok, bon et Dominique, ok, à la prochaine, ok, ciao. Putain la vache, comment il passe comme un boulet de canon quoi. Et on voit que j'ai rebranché la boîte de mirror. Achis trois coups dans le push. Ah non, de Dieu. C'est pas là ces derniers temps là où je l'avais sorti du push que j'aurais pu l'avoir comme ça aussi facilement. Hein. Parce que bon là, quoique ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Là je raconte une connerie. Hein. Quand la propague est là, la propague est là, et peu importe la puissance.
Il y en a qui se font du DX avec seulement 1 watt et pas plus. Hein. Alors là, je suis sur le retour. Voilà, j'ai bossé toute la journée là. Là où tu devines sur Mérignac. Ouais. Alors je sais pas ce que ça. Je regardais là sur une vite fait là sur une application là sur le téléphone au niveau de la rocade de Bordeaux. Alors tout est dans le vert. Alors c'est pour le coup quand je vais passer. Là je suis au feu de la sortie 10. Hein. Et j'ai hâte de voir quand je vais passer par-dessus la rocade là ce que ça va donner. Hein. Ok, je te donne un peu plus, voilà, là je t'ai donné un petit peu plus de jus, j'irai pas trop, allez, voilà, ouais, je suis à combien là, ouais, non, voilà, j'irai pas plus que ça, voilà, je veux pas le faire chauffer inutilement, je suis comment là, position 4, ok, c'est bon, ouais, non, mais là, ouais, voilà, ouais, on s'entendra mieux là quand je serai plus près, hein. Alors, la rocade. Alors, il y a du monde, mais ça circule. Mais au loin, j'aperçois un espèce de panneau lumineux, triangle rouge. Waïaï. Ah, c'est Isabelle que j'ai pensé que c'était. Voilà, j'étais en train de chercher. Voilà, c'est Isabelle, 14 km 33. Ah, j'ai oublié après les derniers chiffres. J'ai pensé que c'était elle tout à l'heure là, que j'entendais parler. Putain la vache, j'ai une voiture là devant moi. Qui fume et qui fume. Oh la vache, cette cheminée. Ouais. Ah, le contrôle technique, il y en a, il est bon. Hein. D'accord, c'est une alerte météo, orage violent, soyez prudent. Voilà ce que c'est. Ah putain, mais c'est une essence en plus là, qui fume autant, quoi. Oh putain, au secours. On dirait un diesel, un vieux poêle à mazout, on dirait, mais c'est une essence. Bon, j'ai l'impression que tu as dû passer provisoirement en stand-by. Il n'y a pas de souci. Ah, tout à l'heure, je vais me promener un peu là-haut, à l'étage, puisque j'ai vu qu'il y avait de la propague et je redescends après. CQE DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile sur Sud-Est France QTH Bordeaux. Bon, plus haut, c'est italien ou espagnol, je sais pas, j'y comprends rien, hein, ça c'est sûr. Eh bien, ah, non. Ouais,
l'Italie. Eh ben, tiens. Si, je suis toujours là. Ah Gilles, je suis toujours là. Je suis redescendu. J'étais faire un tour en haut comme ça pour voir. Je suis redescendu. Ouais, puis c'est surtout l'Italie, ça, j'y comprends rien. Alors, je me suis dit, mais je vais redescendre. Ben oui, moi c'est pareil. Hein. Putain, ouais, à l'école, au lieu de rester dans le fond de la classe, on aurait mieux fait de faire anglais, italien, espagnol, ça aurait déjà été pas mal. Même que j'ai de mon côté, j'ai du mal par moment à te sortir. Donc, je vois toujours cette alerte météo, mais bon, tu as des infos toi là-dessus sur l'alerte météo là pour quelle heure là ça devrait être là, parce que là je vois de mon côté, ok, le ciel est gris, c'est sûr, mais les arbres ils bougent pas d'un pet, rien, il y a rien là à la minute même. Mais oui, il y a Isabelle derrière, je l'entends. Ah. Ah oui, j'allais dire, là, si c'est Isabelle, elle est vachement enrouée, Isabelle, là, pour le coup. Isabelle, si tu m'entends, les 88 de Dundee 33, 14 km, 33,01, à la hauteur de la sortie 5, c'est 10 Bruges. Ah oui, j'ai une petite baisse de propag, n'importe quoi, j'ai une petite baisse de QRM, mais pile à ce moment-là, je t'ai entendu. On voit que la propague est là parce que là il y a l'Italie là qui passe plein pot là de l'autre côté. Tout à l'heure justement j'ai eu l'Italie du Sud de ce côté là. Ça, le gars il m'arrivait plein pot là ici dans le push, et là avec un autre là ça passe pas mal aussi. Hein. Du coup il surpondule tout le monde. Voilà, j'arrive à la hauteur de la sortie 4, le parc d'Espo Bordeaux-Lac. Oui, affirmatif, c'est Isabelle. Je suis passé là au-dessus du lac. Là, j'étais super bien entendu, là, Isabelle, là, pour le coup. Oui, Isabelle te demande si tu l'entends. Mais bon, pour que tu répondes, pour demander qui te parle, et bon, bah, tu l'as entendu, quoi. Et quelqu'un veut bien parler avec ou pas? Ouais, on a 2 YL en fréquence aujourd'hui là sur le 19. Ah, c'est pas mal sympa ça, ça met, vu le ciel qu'il y a, ça met du soleil là sur la fréquence. Oui, bonjour Isabelle. Ouais, Isabelle te demande qui tu es. Je suis
suis Delphine, je suis la femme de Gilles. Ah bah là, vu comme ça, c'est sûr que ça va marcher. Là, tu vas voir tous les bras qui vont accourir. Eh ben oui, c'est normal, là, dès qu'on est en train de voir le bloc, ça y est, c'est parti au galop. Ah si, à propos de galop, là, je suis presque rendu là en bas du pont d'Aquitaine. Donc je risque de faire un petit peu de bruit quand je vais arriver en haut. Ah non, on baissera, ça va. Ah, je suis trois coups. Vas-y, toi, Elisabeth, on t'entend. Ah, j'ai pas compris, désolé. Mais t'es pas monté d'habitude, alors on capte pas. Ça aurait été un USB peut-être, mais là c'est difficile pour te sortir. Je te mets en colère, après tu vas devenir tout rouge, comme une tomate. Obligé de demander à une nouvelle station mobile de se traduire, ça c'est pas bien. Hein. C'est vous les boss, c'est pas moi. Hein. Voilà, j'y suis en haut du pont d'Aquitaine. Alors les stations qui sont en fréquence derrière les 913-51 de la part de des stations de Bordeaux et des environs de Bordeaux. Voilà, depuis de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Il y a des YL en fréquence ici, vous entendez les stations. Il y a des YL en fréquence du côté du sud-ouest, du côté du département 33. C'est plein de meufs aujourd'hui, c'est cool. Putain, je vais finir par me casser la voix. Quoi. Ben, ça fait rien, hein. Les gens disent qu'il n'y a plus de civistes, mais moi en deux minutes, j'ai discuté avec deux YL sur la fréquence pour le faire. Hein. Alors justement, ça tombe bien, parce que c'est sûr que si tu racontes ça sur Facebook, vu la mentalité des mecs qui allaient dessus, hachis pour pas mal, je fais pas une généralité. Hein. Enfin, je ne peux pas en faire une généralité. Personne ne te croira. Les mecs, ils sont tous pour dire il n'y a plus d'YL en fréquence et il y en a plus, il y a encore moins sur le 19. Et pourtant, ben, si on est sur le 19, eh bien, ils vont être coincés. Je vais essayer de rester poli. Car là, mais ça sera dans une petite vidéo. Voilà. Et comme ça, là, ben, les mecs, là, ils... Oh putain, mais qu'est-ce qui bouchonne dans l'autre sens hein? Ceux qui descendent vers le pont d'Aquitaine, putain, là, ça bouchonne sérieux. Oui, je disais donc, ben, ils pourront voir que si, il y a des YL en fréquence. Et il n'y a pas que les deux YL avec qui on est là à la seconde même, il y en a d'autres aussi qui sont en fréquence, qu'on n'entend pas là aujourd'hui parce qu'on est dimanche, mais plus la semaine, elles sont aussi là en fréquence. Le problème, c'est que les deux seules que vous avez entendues, elles ne sont pas commodes. Si elles tombent sur des démarrés, elles vont envoyer chier. Tu veux dire que ces deux mères tapent dur? Oui, mais nous, les garçons, on aime bien ça. Alors moi, les mères tête dure, c'est pas mon truc. Je suis pour l'égalité des sexes. Donc, Si c'est pour l'égalité des sexes, tu dois dire ça, mais tu vas m'en revenir. Ah putain, merde, vu comme ça, ah bah oui, t'as raison. Non, tu confies, je retiens ce que j'ai dit.
Bon voilà, je suis en train d'arriver, je suis à la sortie 26. Voilà, sortie 26, rive droite. Allez, on commande groupe, je rejoins le groupe, allez. Oh, ça marche bien, ça marche bien. Ok, alors de quoi veux-tu qu'on cause? Attends, il y a Isabelle qui a repris le micro derrière. Putain la vache, j'ai pris la nationale 89. Et là, de ce côté-ci, là, avec le peu de QRM que j'ai énormément de mal à te sortir. Oui, non, mais c'est normal. Là, je te dirai pas combien j'en vois là. J'en vois, allez, 4 watts 5. Voilà, 4. je te dirai ça plutôt en message perso, combien je t'envoie là. Ah bah là, oui, je peux forcer davantage, hein. Je peux envoyer davantage, mais bon, c'est sans intérêt. Quoi. Ouais, mais toi, Gilles, quand tu dis que tu peux envoyer davantage, tu parles de quoi? De tirer qu'un seul coup? Oh non, tu vas nous envoyer la purée sur les ondes. J'adore la purée. Bon, toi, t'es pour l'égalité des sexes, pas moi. Il m'en fait beaucoup pour que je l'entende, je comprends à peine ce qu'elle dit. Et encore, pas tout le temps. J'ai l'articule, mais elle n'est pas complète sur sa montagne aujourd'hui. Isabelle, c'est quand que tu t'installes en fixe? Voilà, une station au QRA, on peut même venir t'aider à monter l'antenne si tu veux. Oh là, t'es bien passé là. Je suis à quel niveau? À quel niveau? Faut que je fasse une croix par terre là, la peinture. D'accord, ok, je repère l'endroit. Ah oui aussi. C'est vrai que ça peut aider, mais t'as intérêt à avoir le moteur en marche. Alors celui que j'ai là dans le push, c'est le Zetagi B550P. Voilà, que j'utilise qu'à 50%, pas plus. On va t'en passer sur le 305 en USB, 305 en USB, ça serait mieux, non? Alors, le 305 en USB est à éviter, car c'est la fréquence des mecs du Sud-Ouest en FM. Donc, à coup sûr qu'on ferait chier le monde. Le 27-275, anciennement 27 en USB. Ok, ça marche. C'est parti. Présent, je sais pas si Isabelle a eu le temps de suivre. Ok, alors attends, je suis en train de doubler là. Enfin, que je clarifie un petit peu là. Que je clarifie un petit peu la situation. Aussi. C'est pas grave.
bien, waouh. Putain, j'ai gueulé comme un âne dans le push. Tu vas rigoler quand tu vas écouter la vidéo après ça. J'ai craché tout ce que j'ai pu en temps de vocal. Alors toi, non, je suis aux deux personnes. Là, ok, c'est bon. Alors toi, pendant que certains veulent nous inculquer une utilisation de la CB purement militaire, nous, on s'en bat les cacahuètes, on fait ce que l'on veut, on est libre de l'utiliser comme on veut, de la vraie CB, quoi. Voilà, après tout, c'est le premier réseau social, et dans social, il n'y a qu'à sociaux. Non, mais c'est vrai, quoi, on fait ce qu'on veut après tout là-dessus. Hein. C'est la libre expression. Voilà, tout simplement, la libre expression. Et c'est ça que de toute façon, pas mal recherche aujourd'hui. Hein. Être libre de. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est cette voiture? Non, c'est bon. Être libre de faire ce que l'on veut là-dessus sans pour autant faire chier le monde. Tout simplement. Mais bien sûr, j'y suis depuis 82, moi, là-dessus. Voilà. Et des trucs trop... une utilisation trop dictature, ceci, cela, moi, ça m'intéresse pas. Hein. J'aime bien le TX, j'aime bien faire des contacts, ceci, cela. Mais constamment bloqué en BLU comme pas mal de fonds, maintenant, c'est sûr, chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est clair. Mais rester à attendre le bon contact et tout en BLU, alors qu'on peut très bien s'amuser comme on le fait là, mais pourquoi pas, moi je préfère hein, pour ma part. Hein. Mais bon, c'est vrai, chacun ses préférences. Hein. Mais pour moi, le choix, il est vite fait. Et moi, je vais te dire, le DX, c'est bien, faire des contacts à l'étranger, c'est bien, mais... Exactement, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, c'est exactement ça, c'est exactement mon point de vue. Je ne vais pas faire chier qui que ce soit, donc je fais les choses sérieusement, mais me prendre au sérieux pour faire de la cibite, ça, oh merde, et au diable avarice, hein. C'est, on a assez des grincheux et tout ce qui s'ensuit que l'on croise au quotidien ou au boulot pour ne pas avoir envie de s'emmerder là-dessus. Hein. C'est clair. Oui, ça s'entend toujours pas très bien, moi je sais pas où il passe, là d'ailleurs il m'arrive toujours. Alors je viens de passer pas loin à côté du... non. J'arrive sur le radar automatique avec le portique qu'il y a sur la Nacera 89, si tu connais le coin. Pour le moment, j'ai pas de nom de sortie à te donner. Mais bon, je suis à ce niveau-là, au niveau du portique qui n'a jamais servi d'ailleurs, avec le radar automatique qui est à côté. T'as déjà vu beaucoup de radars automatiques en portique qui ont servi, toi ? Non. Non, le portique, lui, il était là pour les camions, pour mettre une taxe sur les camions, je ne sais plus quoi exactement, là, ça prenait le cabaret du camion. Voilà, je suis pratiquement rendu à la sortie 8, la sortie Libourne, qui est plus très loin devant moi. Ces portiques, qui n'ont jamais servi, c'est sûr. Oui, c'était justement là pour mettre une taxe sur les camions. Et juste à côté, tu as un radar automatique. Mais bon, là, le temps de papoter, et j'ai la sortie 8, là, qui est la sortie Libourne, qui est droit devant moi. Oups, je crois que j'ai fait un peu de bruit du côté de l'Italie. Ouais, là, on leur a un petit peu cassé les oreilles, là sur le coup, là. Ouais,
mon tour. Hop, désolé Isabelle, je reprends en même temps que toi. Demain repos, après je sais plus, il faut que je regarde le planning. Ça sera suivant le sens du vent. Alors je sais plus ce que je fais là, sérieusement. Je sais que demain je suis en repos. Ça par contre c'est sûr, mais après là je sais pas, faut que je vois. Je sais que j'ai des vacations un peu plus au nord là du Cuira. Ah oui, en fait je fais quoi moi? Ah ben je sais même plus comment je bosse. Ouais, je sais, toi t'es en vacances. Eh ben, fonctionnaire, ouais. Petit fonctionnaire, hein. Ouais, monsieur est modeste. Monsieur est une célébrité ici. Il oublie de nous dire que monsieur est chanteur. Bon, de toute façon, là, il pleut. Si tu veux nous faire une démonstration, il n'y a pas de problème. Hachis trois coups. J'ai pas pour dire, mais mon fan club, il se casse la gueule. Hein. Je suis allé voir sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont liké mes chansons. Ah merde! Bah qu'est-ce que tu veux? Pour eux, je suis un chanteur de salle de bain, hein. Je suis pas Jean-Jacques Goldman non plus. Oh, tu dis ça, là, tu nous la joues modeste. Je suis sur la rocade de Nibourg, là, au fait. Tu nous la joues modeste. Bon, c'est déjà un début. Et puis en plus, toi, le beau côté, c'est que ça n'a pas fait pleuvoir davantage. Donc, tout va bien. Du moment que tu chantes pas un certain mec qui est parti à la retraite il n'y a pas très longtemps, justement, là, qui était dans la même boîte que nous, hein, qui se prenait pour... j'ose pas dire quoi, hein, qui se croyait au-dessus de tout le monde. Et tout ça parce que... Oh oui, putain, je me suis une fois à la Foire Expo, là, à Bordelac, avec YL, on était en train de se balader, ça, et puis lui, c'est un black, voilà, et lui était, je vais pas dire son nom là-dessus, lui était là avec son groupe, justement, là, pour chanter et tout, c'est genre musique créole et compagnie, et bon, avec ma femme, quand on a vu ça, on s'est regardé, on s'est échappé. Oh putain, Occident, non, là c'est pas possible. C'est. On n'a pas envie de finir sourd. On veut pas. On veut pas qu'il nous reste des séquelles. Si on reste plus longtemps, on s'est vite échappé. T'es drogué, j'ai eu tous de la drogue. Ah bah lui, c'était pas de la drogue, lui, c'était plutôt du poison qui chantait. Quoi. Attends, je fais un grand coup de volant à la voiture, là, je suis en plein, puis je suis bien lancé, là, sur la rocade de Libourne. Et j'arrive de suite, il n'y a pas de souci, il faut pas faire attendre, il faut pas te le faire quand il est chaud. Bon, vous excitez pas, là, c'est moi qui fais la cuisine, hein. Bon, bah, tout compte fait, je crois que je vais rentrer au QRA, hein. Bon, ok, bon, l'entrecôte dans la friteuse, les frites au four, et voilà, ça sera parfait. Et pourquoi des patates pour moi? Bah parce qu'on t'aime bien, alors tu pèleras les patates. Et t'as vu, il y a un peu d'amis, alors quand t'as l'avis de quelqu'un, c'est vraiment mauvais le cœur. Si vous venez pas, vous allez prendre une grande, hein. Aïe aïe. J'ai déjà mal par un ventre. Oh, je
Elle a déjà mal au ventre d'avance. Tu lui crées des problèmes de digestion là sur le coup. Je crois que j'ai mal compris. Ah, chie! Et Gilles qui est en train de prendre des infos en même temps. Elle est bonne celle-là. Ouais, voilà. Ouais, c'est bon, Rémi, il t'a marqué le QFP. J'ai pas dit qu'il y avait mal au ventre. J'ai dit que j'avais mal finalement. Ouais, ben ça, je crois que j'ai compris que j'ai fait une boulette sur le QSP. Mais pourtant, c'est vrai que moi aussi, de mon côté, il m'avait semblé comprendre ça. Parce que c'est vrai que là, c'est comme tu le verras dans cette vidéo vraiment déconnade. Justement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça dans la pure déconnade. Et tu verras que c'est vrai que c'est l'impression que ça donne que tu as mal au ventre. C'est... Et là, effectivement, là tu, pourtant, là, je sais là, que tu l'as redit là, exactement ce que tu as voulu dire, mais c'est pas mieux passé non plus de mon côté. Alors, désolé, c'est pas le fait, c'est pas. Attends, j'arrive pas à aligner trois mots. C'est pas du fait exprès, mais c'est vrai que c'est vraiment l'impression que ça donne. Pour le coup, plus personne ne se réponde. Oui, affirmatif. Attends, parce que là, le coup, le gag, c'est que j'ai un panneau là de radar pédagogique. Voilà, qui est devant moi. Et comme j'ai une caméra de pare-brise, putain là, non, je dirais pas quoi, et bien on voit dessus à combien je roule. Pour le coup, j'ai dû faire gentil, ouais. Voilà, tout simplement. J'ai dû faire gentil sur la pédale d'accélérateur. Méthode, d'autant plus que bon, ça tombe bien avec le Covid et tout, et les règles sanitaires qui restent en place. J'ai annulé notre rassemblement à Varennes, enfin du moins au niveau de nous, de notre stand, de la PLCB francophone alias FCBA 33 alias Kilomike. Tous les ans j'ai un stand là-bas à Varennes, là sur le salon Radiamateur, la Durée 17, et on fait en même temps une activation depuis le stand. On est les seuls à faire ça. Voilà, une activation directement depuis le stand. J'ai foutu une antenne à 6 mètres de haut placée dans ma remorque juste là de dehors. Et on fait comme ça là toute la journée, ou allez, les trois quarts de la journée, là en activation depuis le stand. Et en même temps, je mets la station à disposition de qui veut prendre le micro, apprendre à moduler, peu importe qui c'est, quoi. Voilà. Et ben là, du coup, là, cette année, ben je l'ai annulé par rapport à ça. Et en plus, je suis pas sûr du tout de pouvoir être en repos à ce moment-là. Vu le tournant à 180 degrés que ça a fait, moi, de mes plannings. C'est-à-dire passer de site tranquille en nuit à site où il y a le plus de boulot possible en journée. Ouais, super. Et en plus, en équipe.
Donc c'est sûr que là, ça va être des plus compliqués à organiser quoi que ce soit. Tiens, il y a de la musique derrière. Ben oui, mais il faut que ça, c'est pour le plan A. Mais le plan B, lui, te dit autre chose, que forcément, ça va pas être commode du tout. Surtout là où je, pour ma part, là, là où je suis maintenant, tu sais où en plus, c'est ardu, c'est vraiment des plus ardus. Isabelle, elle est à la masse. Je pars de la voiture. Je confirme, je suis à la masse. Ça dépend des jours. Non, mais je vais essayer d'être sérieux 30 secondes. Pour être à la Terre, c'est forcément une station fixe. Une station mobile, c'est la masse. Voilà, tout simplement. Si maintenant, toi, tu as eu l'esprit tordu pour te considérer comme étant à la masse, alors là... Là, c'est sûr qu'on va tout savoir, là, pour le coup. Non, vous ne saurez pas tout. Pas sur la fréquence. Normalement, je ne passe pas, moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de QSO en français. Ah ben, si, c'était hier, peut-être. Vas-y, retourne. Retour, Gilles. Tu te mets le GP27 au cul de ta bagnole, tu mets un mal, hein, je suis provisoire, et ça y est, tu passes, hein. Non, j'ai prévu beaucoup mieux que ça. Et en fait, les éclairs sont à 500 mètres à moi de l'oiseau noir, donc au niveau de... Pas de l'oiseau, je ne sais pas comment parler, sinon au niveau du haut champ, je sais toi, je commencerai à me méfier. Pas que de la foudre, mais de l'électricité statique générée là tout autour, qui pourrait bien venir chatouiller l'antenne. Et de mon côté au QRA, de toute façon, la station est débranchée. Là, pour le moment, j'ai rien au niveau orage là, de mon côté, là tout va bien. Mais je crois qu'on va, pour Isabelle, on va y compter le QSO là. Là, je suis presque arrivé à Saint-Pédarmont là. Voilà, je suis à quelques centaines de mètres de Saint-Pédarmont. Donc on va écouter le QSO là pour arranger là, Isabelle. Donc j'ai envoyé des modes sur 1351 et 88 aux YL. Voilà, de la part de Dandy 33 à 14 km, 3301, opérateur Rémi en mobile à l'entrée de Saint-Pédarmont. Ah ben ils sont tous en train d'arriver, les stations Isabelle, tout ça, là j'arrive plus à les entendre, en plus je suis en plein dans Saint-Pédarmont, il y a les QRM, je renouvelle les 73, 51, 88, 212, là de chaque côté, et à plus tard. De surmodulation, oui Isabelle, j'ai réussi à t'entendre, vraiment entre deux, les 88-212, à plus tard, à plus, merci, bye bye, à tous. Bonne soirée également, à plus. Thank you.
ils ont tous migré du côté des 40 canaux. Ah si, si, si. Bon, d'accord. Ils sont là. Mais il y a plus de monde à moduler du côté des 40 canaux. C'est bon, ça. Du coup, à quoi ça sert de débrider les postes? Bah, plus à grand-chose. Surtout que du côté des 40 canaux, il y a quand même une fréquence d'appel DX qui est rarement ou plus utilisée, mais bon, il suffit de s'y remettre dessus, puis c'est tout. Hein.